Salut à tous, c'est Snake du 45 et on se retrouve pour la suite de Days Gone. C'est parti. Alors, je regarde mes armes. Tiens, je vais voir dans ce campement les armes, s'ils ont des nouvelles. J'étais flic à Farewell avant. Hey, salut. Hey, je voulais te demander. J'ai entendu vos motos hier soir à toi, Ricky, et... C'est qui l'autre type? Boozer. Son vrai nom, c'est William ou Bill, mais je l'ai toujours appelé Boozer, faut pas chercher. Pourquoi? J'allais pas... Enfin... Il va s'en sortir? J'étais passé dire bonjour à Addy. J'ai vu qu'il avait pas l'air en grande forme. Ouais, ça va aller. Dès qu'il sera rétabli, on file vers le nord. Ok? Alors... Alors, tu laisses tomber. Compris? Ok, donc c'est pas foufou. Ouais, sympa. Ouais. Recharger un peu les munitions. Ok. Ouais. Ok. Je crois que tout le monde a vécu des histoires horribles. A plus. Alors. On a tous dû faire des choix. On sera pas là. La mission. Attends, j'ai vendu comme des trucs. La prime, j'ai peut-être des choses. Besoin de quelque chose? Eh. Ça me regarde pas vraiment, mais. J'ai appris que tu étais revenu. J'y croyais plus trop. De quoi? Ah oui, oui, à la prochaine. Deacon, hey, tout va bien? T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis pas venu pour lui. D'accord. Je passais voir si t'avais besoin d'un truc. Tu sais, pour l'infirmerie. À vrai dire, on commence un peu à manquer de tout. Ce que je veux dire, c'est... On n'aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments... Tiens. Un couteau Liston. Ouais, pendant la guerre de sécession, on s'en servait pour opérer sur le champ de bataille. Pour opérer? Quand il n'y avait pas d'anesthésique ou de laudanum. J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un. C'est la brochure du centre pour les... Pour les visiteurs de Sherman's Camp. Sherman's Camp, sans mec. Plus infesté de mutants, tu meurs. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, Deacon. Merci bien. À Sherman's Camp. Oh. Ça va être envahi de mutants. Sérieux? Alors ça c'est tru... Ça c'est où ça? Ah ouais. Ouh, il y a un camp en plus. La ferme dit au Mike. De quoi se nourrir, d'accord. Ok, donc t'as un camp ici. Avec deux autres gars, on a incendié un nid il y a quelques semaines. Un nid dégénéré. Tu vois, il y a une qui est sortie. Une beuglarde. Deux secondes, belle. Ah, crois-moi, elle mérite bien l'ordre. Ah, les beuglards, ah oui, attends, ils en parlent. Allô? Il y a quelqu'un sur ce canal? O'Brien, c'est vous? Oui, ici O'Brien. Vous avez toujours l'une de nos radios. Excellent. Bon, écoutez, je vais essayer de vous aider à en savoir plus sur cette femme. Sarah Whittaker. Vous êtes placée dans votre hélico cette nuit-là. Oui, je sais. Mais d'abord, vous devez me rendre un service. Quoi? Vous me demandez un service? Écoutez-moi, votre radio possède un affichage digital. Je vais vous envoyer un message codé, les coordonnées. Retrouvez-moi à cet endroit. O'Brien, c'est quoi cette histoire? Retrouvez-moi là-bas. Il y aura des soldats du Nero un peu partout autour. Ne vous faites pas voir. Terminé. Alors, j'ai besoin de votre aide. Ouais, c'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Attends, il m'a pas acheté ma mission? Non, non. Ah, ok, les... Le nid se trouve ici.
sacré. Ok. Je repasserai. Je vais brûler tous ces nids. Oh. Ah, je m'avais. Merde, pas maintenant. Ah, je l'entendais gueuler l'autre. J'ai entendu gueuler, mais j'ai pas vu la corde. C'est pas trop tôt. Saloperie. Ouais. Merde. Ah bah oui, d'accord, ça me l'a. Ça me l'a pété la moto. Zéro. Ah ouais. Réparer le moteur. Heureusement j'ai de la ferraille. Ça devrait marcher. Ouais. On est bien. J'y suis. Je sens pour visiteurs. Maintenant faut que je trouve un moyen d'entrer. Ils vont tous ils vont se trapiquer. Et là, il y a. Ouais, pas mal. Une prime. Je vais ramasser tout ça. Ça, on peut ramasser. Prime les faux. Toc. Ça c'est plein. Hop. Ok. Il y a des tirs en fait. La porte est fermée. Ouais, il y a quelqu'un qui tire, je sais pas c'est où mais. Je dois passer par là, la porte est fermée. Ah oui, il y a les corbeaux qui tournent. C'est-à-dire qu'il y a des ennuis. Est-ce que t'as un nid ici? Rien du tout.
mal. Et je peux monter là sinon. Mais ouais, sans plus. J'arrive pas à savoir comment faire. Parce que là où il y a une porte. Là. Sur ça, je peux monter. Mais je peux pas. Oh, pas plus. Ah, attends. Ah, il y a une échelle, mais. Fermé. Je peux pas l'accrocher. Bon, allez, on est revenu. En fait, j'ai un peu triché, j'ai regardé sur internet. En fait, il disait de tirer sur l'attache. Alors, sur l'attache. De l'échelle. Alors que j'aurais pu passer directement sur le toit. Mais on peut pas sauter. Alors, on peut sauter juste comme ça, mais on peut pas. Ouais, on peut pas sauter. C'est vraiment con. Escalier de secours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bâtiment? En bas. Il reste plus grand chose. Ça a été complètement dévalisé. Le couteau d'amputation, ça y est. Il faut que je le ramène à Adi. Ok, donc ça c'est bon, je peux le ramener. Maintenant je peux sortir par là. Tranquillement. Alors niveau essence, ouais je suis bon. Ah, j'avais pas vu sur le bidon. Il y avait des trucs. Chiffon, une boîte de conserve. La boîte de conserve, je sais pas, ça raconte. Parce qu'on mange pas en fait. Hein. On mange pas dans le jeu. Ça sert pas à grand chose. Allez, j'ai trouvé le couteau que tu cherchais. Merci, Dico. T'imagines pas à quel point on en a besoin. Pas de quoi. Tout ça pour ça, là. Ah, elle commence à perdre en plus. Un ours. Un ours? J'ai pas vu l'ours. J'ai pas vu l'ours, hein. J'ai vu plus des petits mutants, mais pas, pas l'ours. Y'a quelqu'un? C'est l'un des bikers. Ouvre. Salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super, merci. Pas de soucis. Alors, elle virait à Chen Macan. Alors, 13%. Si je travaille assez pour le camp, ils accepteront de laisser Bowser. Alors j'ai besoin de votre aide. Voilà, c'est roulé jusqu'au lieu indiqué. Ça se trouve où? Ça se trouve ici. Je me souviens. Par contre, il y a une petite zone là. À la recherche de Lisa. Cherchez Lisa dans le camp Rogue. Ah oui, parce qu'elle n'est plus là, elle. Alors je vais faire la mission. Ah, il va faire nuit. Ah, peut-être de nuit. On verra bien, de toute façon, peut-être il va changer la météo et tout. On peut passer par là. Je sais pas si je peux passer par là. Ouais, je suis GPS, hein. Je sais pas du tout.
parle, on peut pas. Non, il veut à tout prix que je passe de l'autre côté. Parce qu'il y a la porte là. Oula, attention, attention, où tu vas? Ah oui, d'accord, ça nous fait passer par derrière, mais derrière il n'y a pas de porte. Voilà, de toute façon, ça va nous faire encore passer le temps. Oh, il y a des gens. Et des motos. Il y avait des motos. Alors, ça nous fait passer de quoi? De nuit à nuit, de nuit à jour. Bon, me voilà. Nom de Dieu! Évitez de me faire des frayeurs comme ça! Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico? Non, rien. Rien? Hey, attendez du calme, il me faut du temps, d'accord? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, vous ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, écoutez, O'Brien. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon St. John. Mais écoutez, Deacon St. John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. C'est même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement Stocky, il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Allô, Deacon, vous êtes là? Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez quoi? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal, il est sécurisé. Vous voulez quoi? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi? Pourquoi? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez de... d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôt d'échantillons. Ouais, ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. Ok, donc là je peux prendre ma moto. Drifter. O'Brien. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous... L'un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre? Pourquoi? Allez-y. Ne le perdez pas de vue. Hélico. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux...
peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Putain, mais vous avez pas, je sais pas moi, les satellites espions, genre de trucs? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. Bon, ça, l'hélico, il est gros, quoi. Pas les laisser me distancer. Ils ralentissent. Oh, Brian, ils atterrissent. Bien. J'ai leurs coordonnées grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied. N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Oh, Brian, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello? Un putain d'intello? Espèce d'ignore, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. Brian. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. Vous êtes toujours aussi perspicace? C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, juste? Déteste ces missions. Tu me tends. Tu m'arrêtes, tu peux faire. Il y a peut-être un drifter sur la ZEDA. Hé, quelqu'un a entendu? C'est vrai qu'il va te voir. Ouais, ça change pas d'habitude. Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Halt! Ou on tire! Oh merde. Ok, ok. Je me casse. Là, j'étais complètement sorti en fait. Il y en avait à gauche, à droite. Est-ce que ça a mis le... du coup le traceur sur le... l'hélico? Ah ok. Vous allez bien? Espionner le chercheur Nero. Le chercheur, c'est qui? Il va bientôt faire nuit. On est plus pas longtemps. À côté. Qu'est-ce qu'on peut bien foutre ici? Ce qu'on nous dit, maintenant ferme-la. Et l'autre là, lui là. Vous êtes toujours aussi perspicace. J'ai entendu un truc. Combien de temps ça va prendre? Trop longtemps. Ça, c'est à quelque chose là. Bordel! Je peux pas sortir en fait, je suis encerclé. Il y en a à gauche, un à droite, hein, si, hein, là. Mais lui là, il bouge pas en fait, il va me voir. Ah, je peux pas sortir en fait. Oh là là. C'est un peu chaud parce que eux ils sont mis dans un endroit où je ne peux pas rester. Ah, il m'a remis là. Je ne peux pas m'approcher plus qu'eux. Ouais.
je ne peux pas faire plus. Note de terreur 2071. Le contrôle des pièges sur le site 14 Alpha a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation albinique. Comme prévu, le sujet arbore une dépigmentation dermique et des yeux rouges. Sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets infectés standards. Ceux que vous appelez les albinos existent bel et bien. Même s'il ne s'agit que du troisième sujet que nous pouvons étudier, en raison de la force et de la résistance évoquées qui les rendent particulièrement dangereux, d'autres notes de terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répand rapidement. Ah, c'est bon, je peux partir. Il y en a encore pour combien de temps? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? On partira quand le doc aura fini. C'est quoi ce bordel, O'Brien? Qu'est-ce qui va pas? Je vais vous dire ce qui va pas. Vos petits copains ont éviscéré un mutant. Il était encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas ce que vous faites, vous autres, Drifter? Vous tuez les infectés contre de l'argent. Ou du moins, ce avec quoi vous faites du troc. J'entends dire truc. C'est vrai, je tue des mutants. Mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données? Ouais, je vais vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle. Terminé. O'Brien! O'Brien! Oh putain, il me refait le coup! O'Brien, répondez! Putain, vous avez intérêt à me recontacter, O'Brien! Voilà. C'est tout? Ah, je m'attendais que ça continue encore? Quand Drifter tueur. J'ai déjà vu ces enfoirés. Je dois m'en débarrasser. Où ça? Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Je vous annonce au cœur lourd qu'on déplore 6 morts et 2 blessés dans mon camp cette semaine. C'est pas dû aux saloperies habituelles. Non. C'est ces putains d'hélicos noirs. Je vous le dis. Tous les trucs contre lesquels je vous avais mis en garde, ils sont en train d'arriver. Il faut que je les tue tous. Ces fameux hélicos ont descendu tout un groupe d'hommes et de femmes qui suppliaient qu'on leur laisse la vie sauve. Des citoyens de ce pays. Ils les ont massacrés. Salut. Les hommes ont riposté. Mais... Et merde. Et ils ont pas dit leur dernier mot, ces enfoirés. Ils vont nous traquer jusqu'au dernier. Nous, les connards qui avons eu le culot de survivre et de perturber leur petit projet. Ils nous éliminent pour pouvoir sortir de leur grande souris. Restez vigilants, les amis. Aide-moi. Et c'est parti. Surveillez le ciel. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ça vous plaît toujours? Allez, allez! J'ai encore mon sniper. Aïe. L'autre par contre je le vois pas. Moi j'ai pas ma vision.
Waouh. Je contourne parce que là je vois rien du tout. C'était le dernier. Bilan des pertes. Pas mal. Il est en haut. En haut ? Ah, il y a aussi le sniper. C'est fini. C'est jamais fini. Je te tiens. Ah mais c'est une grenade. Ah ouais, c'est des grenades. Je voulais prendre un caillou. Merde. Oups. Et il est là. Ok. Un dernier. Dans la maison. Le camp est nettoyé. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être de l'autre côté. Hein ? Enfoiré. Un bunker. Ouais, il devait en avoir un. Il suffit de le trouver. Donc là, on a quoi, des bandages ? Allez hop. Fouille un petit peu. Oh, des encore munitions. Alors le banquier, tu l'aurais caché où? Petit bunker. Où tu te caches? Bah j'aurais bien vu. Ouais, j'aurais bien vu dans la maison. Mais... sur la maison ou sur les côtés. Parce que ça c'est toujours planqué. Ça, ça, ça sert. Même ici, c'est bizarre qu'il n'y ait pas.
Petit bunker où tu te caches. Et la lumière là-bas. Ah, c'est où je suis passé. Là, on sort. Ah merde, l'ambi où? Dans le Starcrow, j'ai fait tout ça. La recherche du bunker. Ils l'ont pas mis en haut quand même. Avec le sniper. Je sais pas du tout. Ah, je peux pas passer par là. Attends, je vais essayer de faire le tour. Ah, m'intrigue. Peut-être il l'a mis avec le sniper. Hein. Le sniper, il est mort où? Là. Important, non? Parce que des fois, ça l'écart. Important, non? Bah. Aïe. Avec ma vision, je ne peux pas le trouver. Ah, il trouve des plantes, ouais, tout ça, mais. Là. Ah ouais. Je l'ai trouvé pas. Ça, c'est chiant quand tu cherches quelque chose, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça peut servir. Carte avec des notes. Alors voilà, 29%. Ah maintenant on peut avoir la hache batte de baseball, plante de fabrication. Je prends. De toute façon, ils en auront plus besoin. Ah bah, c'est-à-dire je peux construire maintenant. Comment je sais pas. Mais je peux fabriquer maintenant. Spécialité, arme de poing. Bah on a le arme là. Parce que là il y a l'arbête, mais on n'a pas de. On n'a rien de nouveau. Ah, il faudrait que je trouve un truc pour construire. Comme j'ai les plans. Peut-être faut que je retourne dans les. Dans les camps. Oh, je vais dormir. Pour passer un peu le jour. Enfin la nuit, je veux dire. Puis après, on va aller faire la mission de Lisa. Les motos. Oh, allez, c'est parti. Voilà, comme ça, ça c'est chez moi. Ouais, c'est juste la caisse d'armes. Là, par contre, t'as pas de truc de munitions. Ça c'est good. Disque non, j'ai pas fouillé. En point de compétence, j'ai pas rien débloqué. Ah ouais, en plus en plein territoire ennemi. Il y a des nids partout. Chercher Lisa dans le camp Rogue. Ah ouais. C'est un peu chaud. Un peu chaud patate. Niveau points, est-ce que j'ai des points? Scénario, non. Compétence. Niveau de compétence, 10. Ah, j'ai plus de points.
J'ai plus de points. Ah, la moto elle est où? Ah, alors, t'as les motos. Merde, une patrouille de squatteurs. Où ils ont trouvé cette bécane? Ah, déjà tout à l'heure, on les entendait. On va faire la mission de Lisa, puis après j'arrêterai la vidéo. Waouh! Oh, la grosse horde! J'aurais pas dû rentrer. La horde zombie qu'il y a. Oh la vache. Oh, comment je suis censé rentrer, moi, du coup? Oh non. Ok. T'es où, petite? Tu m'embêtes, hein. Tu veux pas ouvrir la porte? Ah non, mais là je suis passé complètement une horde de zombies. Hein. Non. Sois discret. C'est verrouillé. Lisa, t'es où? Saleté de mioche. Je te hais. Là je peux pas faire de bruit. Comment tu as fait? T'es pas dans la petite maison quand même. Là. C'est bon. Ah bordel, mais tu dois bien être quelque part par là. Qu'est-ce que t'as fait tomber? C'est pas là, tu peux on peut réparer. Par contre, ils sont trop nombreux pour que je les tue. Elle doit être dans cette maison-là. De toute façon, j'ai pas fait le tour de l'autre côté. Est-ce qu'il y a... La porte d'entrée de devant, elle est fermée. La porte de deux derrière, elle est fermée. L'autre maison, j'ai pas essayé. Garage. Ah, par ici, ouais. Ça devrait le faire. Là-dedans. Ah ok. En plus, je suis tombé pile poil sur la maison. Je suis prêt. J'allais dire, je vais repartir. Alors, t'as encore une baisse de baseball, je crois pas. La hachette, elle est bien. Vous inquiétez pas,
Je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. Non mais c'est pas dans ce sens qu'il y avait une ordre. Hein. Allez, t'es où? Où tu te caches? Ils disent que c'est par là, mais... Ah tiens, de la ferraille. Elle, peut-être, elle était en haut. Hein. Ça se trouve, même pas là. L'écriture de Lisa, ça. Je veux tout oublier. Alors, j'ai Lisa. Elle est même pas là. Ouais. Ça m'étonne pas d'elle. Mission histoire. Elle est même pas là. Niveau de compétence, tiens. Ça, ça m'intéresse, ça, le point de compétence. Respiration contrôlée. Réduit le temps de régénération d'endurance. Et met les ennemis en sobriance en mode survie. Soit je fais celle-là ou celle-là, je sais pas du tout. On va faire celle-là. Est-ce que je vois les ennemis? Je peux sortir par là. C'était pas si dur. Ah oui, il dort. Ouais, par contre ici il y a tellement de nids en fait qui sont tous réveillés. Mais je vais revenir quand j'aurai plus de munitions. Plus de munitions, plus de balles. Allez, c'est parti. Waouh. Ouh. Ah, c'était grave chaud là. Ouais, il y avait plein de motos en plus par terre, heureusement je les ai traversés. Voilà, maintenant des loups. Et en fait, la mission là où il m'envoie. Ah, et là, ça c'est quoi ça? Ok, il y a un camp juste à côté. En gros, c'est ça, on repasse dans le camp. Ok, je sais pas ce que j'ai touché. Comment va notre gros flemmard de service? Comment tu te sens, Boozman? T'en as pas marre de traînasser au plus mal? Boozer? Tu peux pas rester là, Deacon. Du calme, Deacon. Comment il va? Il a besoin de repos. Me prends pas pour un bleu, Eddie. J'ai demandé comment il va. Ça va. Pas fort. Putain, qu'il fait froid. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. Attends une minute. Tu dis j'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Deacon. Non, rien. Hey, tu sais quoi? Deacon, arrête! Stop! T'as envie de te défouler sur quelque chose? Le lis dans tes yeux. Tu sais quoi? Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Allez, dehors. Écoute, tu ne peux rien faire pour le moment. Je t'en prie. Rentre chez toi. Rentre.
chez toi, Deacon. Dick, Dick. Pouf, disparu. Ouais, il va s'en sortir, Schizo. Il a juste besoin de se reposer. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Hé, hey, je prends de gros risques. Crois-moi, tu seras pas déçu du voyage. Écoute-moi. Il y a 2 mois, un drifter a débarqué au camp. Il racontait des trucs délirants. Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Farewell avant que tout parte en couille. Ok, alors tu veux montrer quoi? Une nuit, ils ont attendu un vol de Portland, qui s'est jamais pointé. Et l'avion, il trimbalait du matos pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge? Ça y est, t'as compris? Une soute pleine de médocs et des trucs de docteur. Peut-être même des antiches, je sais pas quoi, moi, enfin ce genre de bordel. Des antibiotiques? Ouais, 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 des trucs dans le genre, c'est ça. Où ça? Hé, hey, parle moins fort. On causera à l'intérieur. Ils sont décérébrés. J'ai lu un truc là-dessus. Donc notre drifter. Il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf! Tout à coup, disparu. C'était un... par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse. Genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site? Non. Pourquoi? Le vieux était catégorique. Iron Mike, pourquoi? Ah, je vois. Des Reapers. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Chiotte. Donc si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le RIP... Ouais, ok, j'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça? Voilà, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Deuxio, t'es un putain de drifter. Je suis censé faire quoi? Te coller au cul comme un clébard? Te sauver la peau, c'est ça? Ok. J'ai d'autres choses à faire. J'ai compris, t'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Hey. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Surmets ton toki. Je te recontacte. Donc, coupe disparu. Encore de la confiance, ouais. C'est mon frère. Rejette-t-il, je dois garder Bozorvi. Ok. Bon, bah, et voilà, c'est la fin de ce petit espèce sur Death Gone. J'espère qu'il vous a plu. On peut toujours compter sur toi. À la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.